Sois le bienvenu, fidèle téléspectateur. Une fois de plus, vous êtes là dans le cadre de votre rendez-vous ici sur la chaîne présidentielle, la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, Maman Excellencia. C'est votre émission. Je suis accompagné ce matin de la grande équipe. Je vois du côté régie finale et réalisation, mais c'est Tati qui est là. Mais c'est Tati, ça va? Voilà, côté son, aujourd'hui je vois Monsieur Sacré. Monsieur Sacré, il faut bien faire le travail car les internautes déclarent beaucoup, mais je sais que tu es là. Tu fais le bon boulot. Merci Monsieur Sacré également de l'autre côté. Monsieur Eric, il est seul derrière la caméra, mais avec un mounieré. Ce n'est pas la chaîne de l'UDPS, Eric. Mais pourquoi trop les mounierés comme ça? Il ne faut pas intimider les invités. Hein. Voilà, sur ce plateau, je suis avec la grande équipe et mes invités. Je suis avec Monsieur Benoît Yolama. Vous êtes très 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 nombreux à le vouloir. Chaque semaine sur ce plateau, vous estimez qu'il dit des vérités. C'est quelqu'un qui aime son pays. Monsieur Benoît Yolama, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation et je salue tous ceux qui nous suivent à travers le Congo et le monde. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de Maître Joël Kitenge, lui qui est de l'UDPS. Il est également communicateur de l'ICOR. Donc, ils sont en train de communiquer pour la République. Des communicateurs pour la République, hein, c'est ça? Exactement. Union des communicateurs pour la République. Merci. Union des communicateurs pour la République. Pour la République. Quelle République? La République démocratique du Congo. Ok. Merci. Il semble qu'au sein des l'Union sacrée, il y a plusieurs structures de la communication, mais ça pose problème. Hein. Ça pose problème, la gestion interne. Comment vous vous sentez avec les autres? Il y a également une autre structure de communicateurs de l'Union sacrée. Vous êtes aussi là-bas? Non, mais je suis seulement à l'ICOR. D'abord, communicateur de mon parti, l'IDPS, mais également à l'ICOR. Mais s'il y en a d'autres structures, dès lors que nous faisons tous le même travail d'accompagner la vision du président de la République, l'Union sacrée est composée de quelques centaines de partis politiques. Donc, nous ne trouvons pas normal que les uns les autres s'organisent aussi autour de plusieurs structures. Dès lors que l'objectif est la communication, je ne vois aucun problème. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Parce que quelqu'un aux États-Unis m'a dit, mais Delphine, je ne comprends pas. Ils peuvent se regrouper dans, dans une seule structure et puis communiquer pour les chefs. Donc, C'est comme s'il nous demande à ce que tout le monde, que nous puissions construire une seule église, dès lors que nous croyons à un seul Dieu, nous prêchons la même Bible, que nous puissions nous retrouver tous ensemble dans un même endroit. Et dès lors que tous nous prêchons pour le royaume, chacun peut prier là où il est, l'essentiel qu'on est avec Dieu. Donc, ils sont avec Tshisekedi, et chacun peut faire là où il est, de sa manière, mais tout en restant dans la vision, nous ne trouvons aucun problème. Merci. Là, je salue également mon frère Donald Kabasele, lui qui est coordonnateur de tous les communicateurs de l'Union sacrée. Je pense que vous êtes aussi dedans. Il est votre coordonnateur également. J'ai dit un grand merci hein, à Maître Général Kolela Éclectique. Mais vous êtes parmi les gens qui communiquent aussi pour l'ICOR, donc l'Union des communicateurs de la République. Mais un vrai scientifique, Maître Général Kolela. Oui, effectivement, je suis administrateur de l'ICOR. Ok. L'Union des communicateurs de la République. Ce n'est pas un coup d'état que vous avez fait à Donald Kabasele. L'Union des communicateurs de la République, membre de l'Union sacrée. Okay. Effectivement, Donald Kabasele, j'ai travaillé avec lui. Il est le président des collectifs de communicateurs de l'Union sacrée. Okay. Donc, maintenant, vous posez la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts? Ah oui, alors je vais vous poser la question des téléspectateurs. Je ne pense pas. C'est important. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que vous savez que depuis les discours des Femme Mobutu, le 24 avril 90, la démocratie était restée comme une promesse des vieux pieds qui a été confisquée par tous les gouvernements qui sont succédés pour ramer à contre-courant par des dérives dictatoriales. Et qu'aujourd'hui, le parti qui a lutté pour la démocratie dans ce pays étant au pouvoir, nous disons la liberté d'expression doit être de mise. C'est-à-dire, nous n'avons pas le droit d'empêcher un groupe de gens qui peuvent s'organiser pour communiquer pour le chef. Cherchez-moi la photo du chef. Tout comme aussi, eux n'ont pas le droit de nous empêcher de nous organiser. Okay. Donc, au fait, c'est ça la démocratie. Donc, chez nous,
il y a la démocratie, il n'y a pas comme on connaissait à l'époque. L'insécurité des structures. Oui, oui, voilà. Vous êtes comme on connaissait à l'époque que c'était un état de, des autorités morales. Nous avons fustigé cet état de l'autorité morale, l'homme qui doit donner une ligne de conduite, de prise de position, et que lorsqu'il tousse, tout le monde doit rimer. Non, nous ne sommes pas comme ça. Mais maintenant, non, vous il vous a donné... Au sein de l'Union Sacrée, il y a un désordre organisé. Il n'y a pas le désordre. Donc chacun crée sa boutique. Non, non, il y a la liberté dans la diversité. Okay. Ça, c'est ça, ça, il faut le reconnaître. Mm-hmm. Et aussi, c'est comme Joël, Maître Joël venait de vous dire tout à l'heure. Vous savez, dans la Bible, il y a eu les disciples, les 12 apôtres que vous connaissez, qui ont trouvé les autres en train d'évangéliser. Ils ont dit à Jésus, mais nous avons trouvé ces gens-là. Et il dit, mais on va faire quoi? Il faut les empêcher de prédire. Non, non. Donc, laissez-les faire ce travail. Vous voyez, tant qu'il le fait pour le chef, donc tant mieux. Mais vous savez que Tshisekedi, aujourd'hui, il traverse les frontières du Congo. On parle de lui sur l'échelle internationale. Et aujourd'hui, nous serons très contents qu'on puisse entendre qu'il y a un groupe de communicateurs qui communique pour le chef à Dubaï. Ok. Donc, c'est pas un problème. Pas problème. Donc, on parle de Tshisekedi à l'échelle internationale. Quelqu'un a dit, on parle de lui, surtout comme un président plaintif qui s'appelait un peu trop. Alors, est-ce que vous connaissez un président? Je veux revenir vers vous. Vous connaissez un président qui ne s'est jamais plaint? Je veux revenir. Parce que s'il faut dire ça, je vous dis que Kabila a même traité ses propres collaborateurs comme des hommes, des opportunistes. Vous voyez, pour dire que je suis entouré que des troubadours et les gens qui n'étaient pas à la hauteur pour lui donner des conseils afin de faire marcher. Merci. Calmez-vous. Donc, ce n'était pas de plainte. Calmez-vous, ce n'est que le début de l'émission. Mais je demande à M. Tati, tu es devenu de l'amour quand même comment? Sois avec nous ici, M. Tati. Alors, de l'autre côté, je vois M. Benoît Yolama qui est ici. La thématique d'aujourd'hui, vous pouvez noter. Je sais que j'ai les têtes bien faites ici. Le régime Tshisekedi est-il vomi par la population? Ça, c'est la première question. Où en sommes-nous avec le peuple d'abord? On en parle. Pourquoi je posais cette question? Parce que c'est dans une rédaction avec le public. Les gens m'ont dit, Delpha, au début de ce régime, on pensait que Kabila, c'était un démon. On pensait que Kabila, c'était le mal du Congo. On a cru à l'UDPS parce que l'UDPS avait fait son combat 37 ans à l'opposition. Une fois l'UDPS au pouvoir, on pouvait voir la vie changer et la population quand même retrouver le sourire. Mais aujourd'hui, il y a un groupe de gens qui pensent que Kabila avait fait mieux que Tshisekedi. Il faut que Kabila puisse revenir. Alors cela m'a poussé à poser la question... Le régime Tshisekedi est-il vomi par la population? Deuxième sous-question. Où en sommes-nous avec le peuple d'abord? On en parle. Le peuple d'abord, c'est vaste. C'est dans plusieurs secteurs. On va prendre quelques angles. Je préfère commencer cette question avec M. Benoît Yolama. L'homme qui est toujours fidèle à Joseph Kabila, fidèle à l'idéologie. L'homme que le peuple aime beaucoup. M. Benoît Yolama. Quand vous voyez le président de la République, vous regrettez Joseph Kabila au pouvoir ou vous pensez que le régime est en train de tâtonner? Il y a d'abord plusieurs arguments qui peuvent concourir en faveur du retour du président Kabila, et notamment sur la gestion économique et des finances publiques, mais aussi sur la stabilité dans la partie est du pays. Ce sont ces deux principaux éléments, un sur le plan économique, sur la gestion, la rentabilité, la stabilité économique, et l'autre sur l'axe de la paix, sur la situation des guerres qui prévaut présentement dans la partie est du pays. Et ce sont ces deux éléments qui font que la population continue à réclamer le retour du président Kabila jusqu'à aujourd'hui. Et la voix du peuple, peut-être aussi la voix de Dieu. Et lorsque vous regardez la gestion actuelle du pouvoir de M. Tshilombo Tshisekedi,
C'est exactement ce que vous venez de constater sur le plateau. Où une structure qui est au pouvoir vous dit que j'ai plusieurs structures puisque nous sommes en démocratie. Le vrai problème, c'est qu'il se battait pour des gains qu'il gagne à la présidence. Okay. C'est ça le vrai problème. C'est ça que vous pensez c'est, de ça je ne pense c'est pas. C'est la réalité. La c'est le gain qui se partage, qui les sont en tout cas accordés par la présidence, qui fait qu'il se divise. Okay. Au début, chacun venait d'une manière un peu libre, des électros libres. Mmh. Ce n'est pas qu'il n'était pas contrôlé, mais chacun venait de sa branche. Mmh. Où son chef voulait qu'il parle de lui sur le plateau et qu'il cite son chef sur le plateau. Mmh. Mais après, qu'est-ce qu'on constate? Et lorsqu'on a, ils ont commencé à toucher, à sentir qu'il y a le sucre, le miel coule déjà. Okay. Et ils ont dit écarter le premier qui avait pris l'initiative. Le fils aîné. Créer une structure pour encadrer tout le reste qui devait être avec eux. Et ils l'ont débarqué parce qu'un coup d'état est structuré parce que c'est à l'intérieur de la structure. Et on fait de compte, on constate. Que demain, après demain, vous entendrez surtout vers les élections que nous sommes une telle structure, nous sommes une telle structure. C'est ça la désorganisation. C'est le même système, la même méthode qui gouverne actuellement le Congo. Où chaque année, chaque jour, on se réveille, il y a un contrat social avec la population, un projet de tel, un projet de tel, un projet, et curieusement, aucun n'aboutit. Et j'ai vu même un cheminement qui m'a été envoyé par M. Patrice Salaga. Et 2018, le taux à 18, 2019, le taux d'échange à 9, 2020, le taux à 20, 2021. Et il y a une forme de flèche qui monte au lieu de descendre, de baisser, de stabiliser, aucune stabilité. Okay. Et à quelques mois de la fin de l'année, vous allez constater que nous atteindrons, c'est déjà en 2024, avant qu'on entre dans 2024. Et donc en 2024, nous aurons déjà un taux d'échange qui serait peut-être déjà au-delà de 2024. Okay. Et donc ce sont ces réalités-là. Et lorsque vous contrôlez le nombre de promesses, des conteneurs de promesses, vous avez remarqué... Il y a même Aristote Ngarimi qui est en train d'écrire un livre sur les promesses du chef de l'État. Qui est très réclamé d'ailleurs par l'opinion publique puisqu'il a pris une très bonne initiative. Et vous constaterez que jusqu'à aucun conteneur n'a été ouvert puisque tout s'est fermé avec des promesses. Lorsque vous entrez sur le voyage, c'est le président qui a voyagé presque tout le président du monde entier. Plus de 320 voyages qui ont rapporté quoi à l'État congolais. 320 voyages. Je vais compter réellement. Mais écoutez, nous faisons des statistiques, ils ne sont pas comme les autres. 320. Nous comptabilisons cela. Et ça n'amène absolument rien au trésor public, dans les comptes du trésor public, même pour la population. On a prétendu que la diplomatie était très agissante. On a constaté, et curieusement, qu'aujourd'hui, c'est M. Mozito qui fait la diplomatie, que le gouvernement a prétendu être meilleur hier. C'est lui qui est parti en Belgique et parlait du Congo et parlait de la guerre. Donc, tous les efforts complètement zéro partaient du fait de manque de leadership fort, comme l'avait dit Kamere. C'est Kamere qui l'avait dit. Okay. Je ne sais pas s'il a changé aujourd'hui. Après sa sortie de prison, il avait déclaré, ben, je ne sais pas, comme il devient ministre, je crois qu'il ne dira peut-être plus, mais il avait dit, c'est un problème de leadership. Lorsque vous entrez sur deux volets du social, je prends la santé, je prends le volet salaire des enseignants et fonctionnaires de l'État d'une manière globale, il y a à boire et à manger. On vous dit que le budget est de 15-20 milliards de dollars, je ne sais pas si c'est 60 milliards de dollars, mais le salaire des fonctionnaires, on vous dit qu'on a augmenté déjà d'autant, mais les fonctionnaires vous disent qu'ils ne sont pas payés. On me paye au taux de 92 jusqu'à aujourd'hui. Okay. Et ce salaire qui n'a jamais, depuis Mouzé, Laurent Désiré Kabila, n'a jamais manqué dans les poches ou dans les comptes, et aujourd'hui c'est dans les comptes des agents fonctionnaires de l'État, ce salaire n'existe plus. Il y a des gens qui ont accumulé même de retard de loyer dans leur maison, qui ne peuvent plus payer, dont les est membre de la Croix-Rouge du Congo, au centre orthopédique de Kalembembe, qui a fait même un AVC. Et au moment où nous parlons, il est à l'hôpital de la Croix-Rouge, c'est M. Maurice, que j'ai rencontré au cours de route, avec ses enfants en train de plaire. Les conséquences de la mauvaise gouvernance. Okay. Sur le plan sécurité, le pays qui était... J'ai pas seulement volé. On nous a amené une communauté des États de l'Afrique et de l'Est. L'EAC.
East Africa Community. Mm. Et cette structure n'est dirigée par personne. Or, à l'époque, cette structure n'est dirigée par personne. Okay. Lorsqu'on demande qu'on puisse évaluer les activités de cette structure, mm-hmm. qui existe déjà au Congo au-delà du délai, mm-hmm. En tout cas, s'il faut dire conventionné ou contractuel, mm-hmm. la structure refuse d'être évaluée. Et vous avez entendu, puisqu'il y a eu des pressions, le commandant de cette structure a démissionné. Il est parti, il ne veut plus rester au Congo. Sur le plan électoral, on devait au moins chercher on devait permettre à la structure de la francophonie pour un peu questionner le cerveau de la CENI. L'OMITA. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en donne comme prétexte? La main de l'un contre. Monsieur Mende qui va aller faire des références à l'extrême droite de l'Espagne pour parler de la situation congolaise, qu'on va donner des données à Kagame, on va permettre à Kagame d'avoir la situation de nos électeurs, mais c'est Mende oublie qu'il y a des Rwandais dans ce gouvernement qui communiquent tous les jours avec M. Kagame et d'autres sont au Parlement où ils siègent. Attendez, les Rwandais dans ce gouvernement? Il y a des Rwandais au gouvernement qui communiquent avec Kagame. Toutes les responsabilités. Okay. Le ministre des Travaux Publics, c'est un Rwandais. Alexis Bissaro. Bissaro. C'est un Rwandais. Il n'y a pas. Vous avez déjà eu M. Ndaiwe dans ce pays et M. Ndaiwe vous a confirmé que le Banyamulenge n'existait pas. Ça n'a jamais existé. Et même lorsque M. Tshilo vous l'avait affirmé à Londres, vous avez vu comment la population congolaise, la diaspora avait réagi. Merci. Nous n'avons pas de Banyamulenge. Moi encore de Tutsi congolais. Moi encore de Tutsi congolaises. Ce sont des étrangers qui sont venus chez nous. Merci. Ils peuvent rentrer chez eux. En appliquant la théorie de M. Pierre Payan qui demande le retour à la mère patrie. Et donc, tous ces éléments mis ensemble et démontrent complément que le pouvoir de M. Chilombo a lamentablement échoué et manque d'initiative pour sortir le pays. Et d'ailleurs, la stabilité même institutionnelle est aujourd'hui en problème. Merci, M. Benoît Yolama, cadre du PPRD, très proche de Joseph Kabila. Kabongé, l'âme qui reste encore fidèle à l'idéologie. À 18h aujourd'hui, je veux recevoir l'honorable Basile Olongo, l'ancien VPM de l'intérieur. Il sera ici avec moi dans un autre programme. Mais dis-moi, maître Joël Kitingé, j'aimerais bien que vous puissiez expliquer à la population, parce que la question vient de la population. Le régime Tshisekedi est-il vomi par la population? Alors, vous avez suivi M. Benoît Yolama, qui a peint un décor très sombre du président de la République que vous, Licor, vous êtes en train de défendre et communiquer sur ses actions. Est-ce Yolama dit vrai? Merci beaucoup. Qu'il faille noter que souvent dans votre plateau, j'ai l'occasion souvent d'être en face, soit d'un grand frère ou de mes frères. Ok. Et le respect exige, mais néanmoins, chacun défend ses opinions et je vais le faire dans mes mots. Pas de problème. À ma méthode. Et je voudrais partir de cette question par là où il a conclu. Pas de problème. Pour retourner de la situation économique et lui résumer les tableaux. Peut-être que mon aîné n'a plus bonne mémoire de ce qu'a été les 18 ans ou encore il a été aveuglé. C'est que ça peut arriver à tout le monde. Okay. Ou il le fait sciemment, par besoin, puisqu'il est devant un plateau, mais néanmoins consciemment, il sait ce à quoi il est en train de jouer dans les non-dits. Non, c'est un homme qui aime la République. Je l'ai dit, tout en respectant, je place mes mots, je l'ai dit dans mes mots. Okay. Lorsqu'on commence par la théorie des Rwandais qui sont au pouvoir, il a cité Guizarro. Alexis Guizarro. Il a cité, ça, bon, il a fait allusion, ça a cité quelques députés qui, d'après lui, sont des Rwandais. Alors, si c'est des Rwandais qu'il faut que les Congolais découvrent, je voudrais bien le savoir que c'est un préposé de M. Kabila qui pointe les autres des Rwandais. Est-ce que M. Benoît Yolama, sait-il que M. Kabila, c'est un Rwandais? Vous dites. Est-ce qu'il le sait que M. Kabila est un Rwandais de père et de mère? Joseph Kabila est un Congolais de père et de mère. Nous connaissons. Écoute, son père. Non, je ne m'oppose pas à vous. Est-ce que vous avez empêché M. Yolama de parler? J'ai l'information, je vous donne. Je n'ai pas besoin de votre information, vous n'en avez pas. Écoutez mon information. M. Delphin, vous n'avez pas l'information. Vos propos vous engagent. Et
et à quoi évoluer. J'espère. Je le répète, est-ce qu'il sait bien que M. Kabila est un sujet rwandais? Que Kabila père a adopté à la mort de son père. Est-ce que M. Benoît Louyam sait-il, Yolama, sait-il que Mme Sifa, elle est stérile et n'a jamais eu d'enfant depuis qu'elle est née, qu'elle est venue au monde? Vous dites. Je suis en train de placer le mot. Il y a Jeannette, il y a Zoé, il y a... Je te le répète, ce ne sont pas ses enfants biologiques. Vous voulez que je dise en quelle langue? Vos propos vous engagent. Puisque vous cherchez à parler de Rwandais, c'est avec M. Kabila que le Rwanda a pu diriger le pays pendant 18 ans. Le Rwanda? Que le Rwanda a pu avoir un vice-président de la République. Que le Rwanda a pu avoir un ministre chargé de la décentralisation et réforme institutionnelle éternellement. C'est avec Joseph Kabila que le Rwanda a pu avoir deux chefs d'état-major généraux adjoints, dont l'un chargé de la logistique, l'autre chargé de l'opération successivement. Les informations que vous donnez, c'est vos informations ou les mais ce que je vous cite, vous ne connaissez pas M. Général Obed Rubasirwa? Vous ne connaissez pas le général Charles Bisseguimana qui a dirigé la police ici? Vous voulez qu'on aille dans le détail? Avant de venir lors de 1 plus 4, vous avez une trace de Charles Bisseguimana dans la police congolaise ou dans l'armée congolaise? Une brève, courte histoire nous rappelle qu'il serrait le parsec de général Baramoto dans le garde civil. Moindre coup, à l'entrée de la FDL, il disparaît, il rentre chez eux au Rwanda, il redevient directement. Et quand il était parsec de général Baramoto, il était juste un adjudant. Des adjudants, il redevient général. Pour avoir été où? Et il est monté en grade dans quelle armée? Dans ce pays-ci. Si je parle d'un vide où c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Ok. Qui a fait de celui-ci, après John Numbi serré dans le collimateur de la justice, eh bien, Bisseguimana dirigera la police pendant plus de 10 ans. Était-il qui? Et ça, s'il faut l'attendre du camp de M. Kabila, qu'on vient avec César Delima, n'ouvrez pas la boîte à Pandore. Puisque le Congolais... Fermez cette boîte-là, risque... Et ils les connaissent. Cette boîte risque... La rwandanisation congolaise, c'est le symbole de M. Kabila. C'était même pas ça le sujet, mais vous répondissez sur ce qu'il lui a dit. C'est ça, alors... Mais vous la boîte. Je voulais fermer la boîte et... Les cœurs sensibles, monsieur. Et peut partir dans un autre sens. Ok. On parle maintenant de la gestion de la situation économique. Les régimes Tshisekedi est-il? J'ai bien la question. Je connais bien la question. Okay. Non, je ne vais pas parler vomir, je vous ramènerai au stade. Vous allez voir, puisque je ne sais pas si ce qui était au stade, c'est la population ou des moutons. On va placer un mouton. On va en arriver. Mmh. Et de manière courte et simple, okay. J'ai bien bonne mémoire. En arrivant ici à Kinshasa avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, comme un jeune Kadogo de l'époque, que je rappelle à mon aîné. Donc, je sais d'où je tire ces informations et je les dis aisément, calmement. Le dollar était à 13 à la valeur de 9 000 francs. En quelle année? Puisque là, nous changeons de millions, n'est-ce pas? Pour basculer à la création de nos francs congolais. Donc, le nouveau Zaïre en francs congolais. Et nous quittions dès 97. Jusqu'au coup d'état de 2001 qu'a conduit M. Kabila au pouvoir. Okay. Le coup d'état de 2001, il le saura au moins, il le sait d'ailleurs qu'un coup d'état, c'est quand le forcing armé intervient pour la prise de pouvoir. C'est ce qui fit faire. Donc Kabila avait fait un coup d'état? Bien sûr. Les fils ou les... Mais écoute, Kabila, celui que vous appelez le fils, en 2001, était-il civil ou militaire? Ceux qui tuèrent Mouzé, ce sont des civils ou des militaires. Il y a même un procès. Le militaire ont assassiné un chef d'État en fonction. Un militaire a pris le pouvoir. Ça s'appelle comment en français? Coup d'État. Okay. Ça s'appelle comment en français? Et c'est comme ça que celui-ci arrive au pouvoir. L'émission est interdite au cardiaque. Vous comprenez? Et de ce fait, le dollar était combien en 2001? À 13. Quand tu le partais, il est parti, le 100, le dollar. Bon, quand je dis 13, pas 13, 130 000, 13 000 francs. 13 000 francs. Et en partant,
il laisse à 160 000 francs. Est-ce qu'il peut peindre le tableau de 2001 à 2018 si le dollar était en train de baisser? Pour venir calcule, avec des blagues, si, non, calcule, si on calcule de recalculer, 2001, et des chiffres sont. De 2001 en 2018. 18. Et des dollars baissés. Donc ça fait 17 ans si vous calculez, dans 4 ans, de 16 à 23, ça nous prend déjà 7, augmentation de 7. Si on prend de 2001 en 2018, ça nous prend 17 ans. Mais donc ajouter, presque la moitié. Il faut ajouter la gestion hollandaise de 4 ans, de 1997 en 2001, c'est la gestion hollandaise de 4 ans et la continuation du basculement de la gestion hollandaise et l'officialisation de la gestion hollandaise au Congo. C'est ça, 2001. Donc, au Congo. Officialisation. Exactement, par la prise de pouvoir de 2001. Il vous reste une minute. À ce moment-là, lorsque vous parlez de ce calendrier tellement peint, vous vous rendez compte que jamais au Congo, ce que nous devons travailler comme des économistes, des politiques, des juristes, tous ceux qui ont la vocation de gérer l'État, c'est de travailler à la dépréciation, n'est-ce pas, de la monnaie locale au profit de la devise étrangère, dollars, euros et autres. Puisque en réalité, les autorités congolaises ne sont pas les autorités américaines. Et une monnaie ne s'évalue pas en s'estimant inférieure à... Mais c'est de créer ce que nous appelons le pouvoir de l'achat de la monnaie locale. Et les indices économiques démontrent à suffisante qu'il faut regarder votre capacité de production, d'exportation, et avant d'acheter ou de faire entrer, qu'est-ce que nous vendons. Ok. Et de cette période où, de 2001 jusqu'à 2018, qu'est-ce que le Congo vendait? Okay. La production kabyliste du point de vue de l'or, du cuivre et du reste, on n'en parle pas de la manière dont la Gécamines a été saucissonnée, la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, la manière dont on a bazardé le contrat chinois, le mine congolais. Il ne faut pas entrer dans les détails puisqu'on a des dossiers et des rapports massifs. Démontrant que ce qu'il faut parler aujourd'hui de la bonne gouvernance, je voudrais que quelqu'un en parle, mais pas quelqu'un durant de M. Kabila. Merci. Venir à la télé pour donner des leçons. Je veux revenir vers vous. Je veux revenir vers vous, mais je tiens quand même parce que je vois des messages déjà entrer. Vous me demandez de lui laisser plus le temps. C'est la chaîne de la maman nationale. Ici, la démocratie oblige que tout le monde ait le même temps d'antenne. Ils sont à deux de licor. Yolama est seul. Vous allez remarquer que je donnerai plus Yolama le temps que les autres. Alors, vous devez me comprendre. Alors, monsieur Gédéon Kolela, j'ai l'impression que si Kabila n'existait pas, tu sais qu'il ne pouvait rien faire. En écoutant maître Joël Kitenge, qui est de l'UDPS, c'est un vrai passéiste. Il est plus dans les passés au lieu de faire ou de nous ramener dans le présent. Est-ce que vous étiez venu au pouvoir pour se plaindre au nom de Kabila ou vous étiez venu pour faire quelque chose pour l'amélioration des Congolais? D'abord, je voulais dissiper malentendu de dire que quand vous nous invitez individuellement. Vous m'avez dit qu'on devrait avoir deux de l'autre côté. Vous m'avez même cité... Ne vous plaignez pas trop. Non, réalité est qu'il est seul. Non, je voudrais que vous soyez rationnel à ce qui concerne la répartition du temps. Ok. Vous savez, d'entrée déjà, je dirais que c'est superfétatoire quand vous voulez que le peuple congolais puisse ignorer son histoire. Parce que un peuple qui n'a pas la lecture commémorative du passé qui fait de son histoire risque de répéter la même chose. C'est pour ça que vous ne pouvez pas empêcher ce peuple ici à connaître d'où il vient. Parce que s'il faut parler de que Kabila a pacifié le pays, mais que dirons-nous de Mobutu? Parce que Mobutu, on peut lui refuser tout. Mais quant à restauration de la paix, l'unité et la restauration de la paix, donc celui-là, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il est le seul.
voyez, jusqu'à aujourd'hui, il est le seul. Tshisekedi a trouvé ce qu'il a trouvé. Mais bon, je commence là où vous parlez de le peuple congolais, s'il a rejeté Tshisekedi. Vomi. Bon, je pense que la sortie officielle de l'Union sacrée, donnez-moi les images, si vous en avez. C'est une illustration plausible que, effectivement, le peuple a choisi d'être de bon côté de l'histoire pour lutter contre les inégalités croissantes. Nous avons les images. Exacerbées pendant longtemps par une classe politique. Et aujourd'hui, Tshisekedi vient avec la valorisation des capitaux humains. Je suis étonné de voir que c'est Yolam, peut-être comme... Yolam est dans le contraire. Car c'est à peine que je comprends que leur parti est maintenant à basculer du côté de l'opposition et que Kabila, à son temps, a reconnu qu'il n'a pas eu un esprit innovant en permanence pour essayer un peu d'avoir, de fabriquer une culture qu'il fallait diffuser à la jeunesse. Ce qui fait que avec Joseph Kabila, lorsqu'il vous dit qu'il n'a pas pu effectivement avoir une culture qu'il fallait diffuser à l'avenir, à la génération future, cela voudrait tout simplement qu'il a laissé le Congolais avec une éducation de la rue. Toute Kabila une génération avec une éducation de la rue. Regardez. Quelqu'un qui que vous a laissé l'accès. Lorsque vous regardez, l'entrée des immigrés clandestins, donc il vous a dit, il a été témoin. La FNEL. Oui, mais c'était les immigrés clandestins sans papier. Celui que vous citez qui est devenu 3 ans après le président de la République. Okay. Donc c'est Moïse qui nous dit qu'il avait un passeport tanzanien. C'est pas moi. Vous êtes l'histoire. Non, c'est l'histoire. Okay. Alors, lorsqu'ils sont venus. Parce que si on voulait nous dire, lorsqu'ils sont venus pour la première fois, nous avons vu de la manière qu'ils sont venus. Et après, nous avons vu qu'ils ont effectivement confisqué donc la richesse du pays. Parce qu'ils ont confisqué la richesse du pays. Et Kabila dit qu'il n'a pas réussi de modifier les cours de l'histoire de Congolais. Et Tshisekedi commence par là, parce qu'il a parlé des enseignants. C'est-à-dire que Tshisekedi a commencé par la valorisation des capitaux humains, qui est une obligation impérative et qui passe par les leviers de l'éducation, la recherche scientifique pour une politique de création d'emplois. Okay. Regardez la vision. Il a fait de la gratuité une politique publique. Okay. Et que c'est pour la toute première fois qu'on voit 5 millions d'enfants. Donc, regagner le chemin de l'école. C'est-à-dire qu'avec la gratuité, on a réussi à supprimer les entraves pour l'éducation pour tous. Et ils ont frappé la poitrine pour dire que non, la Constitution, c'était leurs œuvres des entrailles. Mais alors que l'article 43 n'a jamais été appliqué, il faudra que Tshisekedi vienne. Mais l'initiateur, c'est quand même candidat. Mais je vous dis que la gratuité... Écoutez. Sur base d'élaboration d'une constitution, il y a toujours une constitution précédente. Même dans la constitution zaïroise, il y avait la gratuité. C'est vrai ça? Oui, mais qui vous dit que c'est une invention? Vous pouvez donner je vous dis que ça a été. Nos parents, ils ont étudié gratuitement. À notre époque, Il y avait des bourses, tu reconnais. Donc alors il ne faut pas dire que non, on a inventé ça, commencé avec Kabila. Donc maintenant, parce que on parle de sur le plan économique, regardez, c'est d'abord quoi l'économie. Lorsqu'on parle de l'économie, c'est-à-dire que c'est l'acquis de l'ensemble de mesures et de stratégies qui conduit les activités économiques. Donc, sur le fonctionnement de chaque secteur. Donnez-moi la photo de la caméra. Lorsque Tshisekedi arrive, parlons des secteurs miniers, il trouve que tous les actifs miniers ont été hypothéqués. Hypothéqués. Et l'illustration plausible des cas de cette école, d'abord, c'est le contrat chinois qui était l'arnaque.
où on a vu des choses jusqu'à aujourd'hui. D'abord, regardez. L'un des meilleurs contrats du siècle. Hein, d'abord, je vous dis que Kabila a fait des bonnes choses, mais d'une mauvaise manière, par manque d'expertise et aussi de rationalité. Regardez. Jamais, c'est pour la première dans l'histoire du Congo, où on trouve la violation massive des décrets royaux qui interdisait que les jugements, la valeur des jugements, donc, doit être en parfaite conforme avec la capacité financière. Alors que les jugements ont été évalués, qu'on a donné aux Chinois, à 99 milliards de dollars. Et que la capacité financière pour la société était de 100 millions de dollars. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, grâce à Tshisekedi, on est en train de revisiter ces contrats. Okay. En dehors du fait que ces contrats, on avait supprimé les régimes conventionnels par dérogation, qui a été supprimé par la législation de 2002. Mais ils ont signé sur un néant, c'est-à-dire une disposition qui n'existait pas. Juste pourquoi? Parce qu'ils voulaient remplir le poche. Mais on parle de l'ancien régime. On parle. Vous savez, c'est lui qui a signé les contrats. C'est pour vous dire que Kabila a privatisé ce pays. Qui avait signé? Celui qui a signé, c'est Pierre Lumbi, comme conseiller spécial, comme conseiller en matière de sécurité. Alors que oui. Sécurité. Ouais. Et qui si vous allez aujourd'hui, le contrat minier. Alors qu'il n'en avait pas. On va cracher sur un mort, hein, parce que c'est l'histoire. J'ai publié sur ça. J'avais dit à l'époque que c'était l'arnaque. Personne ne m'a cru. Okay. Et si vous allez aujourd'hui au cadastre minier, vous demandez les registres pour voir ces contrats, ça ne se trouve pas. Jamais. Ça se trouve dans les registres ad hoc. Une aventure purement. De quoi on veut nous parler aujourd'hui? Le bloc pétrolier était donné à qui? À Dan Gertler. Il faudra que Tshisekedi négocie pour que ses actifs rentrent aujourd'hui. Avec Tshisekedi. Oui, exactement. Mais je vous dis. Alors, est-ce que vous connaissiez ça avant? C'est le vrai flic de Tshisekedi. Vous l'envoyez même à Kinshasa, vous allez chercher le bloc pétrolier. Donc, vous créez trop de problèmes à Kabila. Non, mais non, écoutez, mais si Tshisekedi n'arrivait pas au pouvoir, on allait perdre ce pays, ses actifs. Ce monsieur était vraiment. Et vous voyez comment. Il vient de vous donner des révélations ici qui sont vérifiables. Et que, oui, qui sont vérifiables. Okay. Parce que, il vous dit que Maman Sifa n'a jamais eu un N'ouvrez pas cette boîte. N'ouvrez pas cette boîte. Il y a quand même le petit-fils de sur Maman le plan, sur le plan économique, mon moment sur pas ça. Mais je vous dis, sur le plan économique, il faut dire que. Aujourd'hui, on vous parle des budgets, vous n'allez pas me donner. Je pense que je vais revenir pour vous dire qu'on ne peut pas parler ou comparer entre celui qui a récupéré les actifs miniers, dont on doit lancer l'offre maintenant pour que les choses rentrent au bon train, et que vous comparez avec celui qui est venu brader les actifs. Merci. Donc, mais maintenant, c'est chose grave. Calmez-vous. Je vais revenir. Chose grave. Calmez-vous. Gardez cette gravité. Je vais revenir vers vous. Ouf, je me répète, cette émission est interdite aux cardiaques. Nous sommes en République démocratique du Congo. La liberté d'expression oblige à ce que nous puissions faire ces débats appelés duels. Mais les propos de mes invités les engagent. Ici, nous cherchons à ce que les autorités voient clair pour que le Congo puisse devenir peut-être l'Allemagne de l'Afrique. Il y a un opposant. Monsieur Benoît Olama, j'ai aimé votre calme. Vous avez à noter, je vais vous donner suffisamment de minutes. Il n'y a que les incrédules qui ne changent pas. En écoutant l'Union Sacrée, êtes-vous convaincu des éléments qu'ils ont à mettre devant vous pour croire et comprendre que Tshisekedi est en train de faire quelque chose pour que le pays avance? Et d'abord, je suis comme certains des téléspectateurs qui nous suivraient présentement très déçu. Okay. J'aurais cru qu'ils répondraient, tous les deux répondraient à vos deux questions principales. Mais ils sont entrés dans les accusations gratuites et pour justifier l'inexistence de leadership fort.
il faut s'attaquer au président Kabila comme si le président Kabila continuait encore à gérer le Congo. Et lorsqu'il saute sur la personne du président Kabila, donnez-moi la photo. Vous avez eu, vous, à recevoir M. Okoto, qui est dans l'Union sucrée, qui est le gouverneur au Kasaï, oui. Là où il est, lui, originaire. Okoto recevait en Bushmai et même à Namibe, Joseph Kabila Kabange. Il n'était pas chef d'état-major, il n'était pas président de la République, et moins encore, il n'était pas commandant interarmé. Mais il le recevait. Je ne sais pas à cette époque-là qui était Kabila. Et donc, je confirme ce que Yola m'a dit. J'étais sur ce plateau. J'avais reçu M. Jean-Charles Okoto, qui est ambassadeur, ministre de l'Intérieur, plusieurs fois dans le gouvernement. Il m'avait dit des vérités, selon lui, sur Kabila. Et il a confirmé que c'était le fils biologique du Musée Laurent Désiré, Kabila. Okoto, c'était un menteur. Merci. Je vais revenir vers et vous. Et donc, je ne voulais même pas m'atteler sur la question, mais c'est la technique des gens qui n'ont que le ventre pour donner au pays. Okay. Lorsqu'il revient sur la monnaie, j'ai répondu sur toutes les accusations. Et je lui complète dans ce dossier rwandais qu'à l'époque du Zaïre, M. Bisingimana était le directeur de cabinet de M. Mobutu. Et M. Kengo Wadondo, qui aujourd'hui aussi avec vous, on l'appelait Léon Lobitch. Ok. Dont les origines polono-belgo-rwandaises et consorts. Il y a eu plusieurs documents qu'il faut vérifier d'histoire. Qui racontait ce que vous racontez, ça ne pourra jamais honorer votre personne. On va vérifier. Et lorsqu'on est parti au dialogue inter-congolais, je commence par Ondekane qui est congolais. Ok. Ondekane, en allant à Goma, il avait le rang de major. Et les autres étaient des capitaines parce qu'ils sont sortis de l'école des militaires de Kananga. Et quand les Rwandais ont pris le pays, et nous sommes partis au dialogue inter-congolais, c'est l'UDPS, via son ancien président, M. Tshisekedi. Donc, M. Tshisekedi, le père, qui va créer la CLD Alliance pour la sauvegarde du dialogue inter-congolais. Il faut bien noter cela. Et c'est à cette occasion que les Rwandais que nous avions repoussés, à part ceux qui étaient avec le rebelle Bemba, que nous devions combattre, que Bemba était avec les Mustafa, consorts des Rwandais, qui étaient avec lui les Kenyans et les Sud-Soudanais et les Ougandais. En dehors de ces gens-là, nous avions voulu créer un front de nationalistes pour que nous puissions combattre les Rwandais, que les Rwandais repartent chez eux. Et c'est comme ça que celui qui était proche des Rwandais va dire « pas question ». Bien que nous étions en train d'élaborer déjà une charte de transition à l'hôtel de Cascade. Et nous étions obligés, puisqu'il y a eu des pressions de leur lobby, les anglo-saxons qui soutiennent jusqu'aujourd'hui la guerre, c'est le même qui sont revenus, on a fait pression, si vous ne voulez pas, nous allons balkaniser le Congo. Et c'est le même qui nous ont dit, si vous voulez la paix, il faut que nous ayons la gestion de la Gécamine, si vous ne le savez pas. Je vous envoie comme référence les livres de ces Camerounais, franco-camerounais, des livres qu'il a publiés, de plus de 500 tomes avec des photos à l'appui. Il faut lire, que raconter l'histoire que vous n'avez pas la maîtrise. Et lorsque vous repartez sur la gestion économique, j'ai eu la chance de lire le professeur Mbi Chunzembi et professeur Kabuya Kalala, dont CEPAS, Congo-Afrique, ou Zaïre-Afrique, numéro 216. Qui a été exploité par Mme Vanessa Milambo, dont son travail de licence, mémoire de licence, à l'Université catholique du Congo. Et la dame a travaillé sur l'étude comparée des réformes monétaires 98 avec la réforme des Birindois, la réforme qu'on a appelée, où nous avions chassé les zones monétaires. Et à l'époque des Birindois, puisque vous confondez même les chiffres et les statistiques, à l'époque des Birindois, nous avions des millions de nouveaux Zaïres, des Zaïres aux nouveaux Zaïres. Et il y avait des zones monétaires dans le Kasaï. Personne ne consommait la monnaie qu'on appelle Mokomboso ou Dona Beija. On faisait référence à une dame brésilienne de l'Amérique latine qui faisait une série qui passait à la chaîne nationale ici à Kinshasa chez nous. Et ces coupures n'ont jamais été consommées dans le Kasaï. Et lorsque Mouzé arrive, Mouzé a décidé de passer à la réforme monétaire. Et la grosse coupure à l'époque de Mouzé, c'était les 100 francs congolais qui est presque aujourd'hui disparu, qui avait l'équivalence de 100 dollars.
qui touchait nos militaires, nos policiers un peu partout, ils étaient ici au Congo. Et à l'époque, on ne pouvait pas avoir un taux de 1300, dès lors que la dernière référence en termes d'argent était les 100 francs. Et personne même n'est arrivé à ce niveau-là. Mouzé avait laissé, selon cette étude de Mme Vanessa Milambo, le taux de la monnaie, donc le franc congolais, à 900 francs congolais. C'est à 9 que Mouzé avait laissé comme taux. Et donc, si vous parlez de plus de 1000, ça c'est votre problème. Les études, les références que je vous ai données sont scientifiques. Vous pouvez aller les rechercher. Si vous n'en avez pas, rappelez-moi, je vais vous amener sur le plateau et pourra peut-être s'intéresser. Il faut l'aider, il faut l'aider. Et lorsque vous revenez sur... Alors, parlez de la Gécamine. Okay. J'ai déjà relevé le premier volet. Que c'est les anglo-saxons qui avaient demandé que si vous voulez la paix, acceptez que nous puissions gérer la Gécamine. C'était dit au dialogue intercongolais. Lisez les résolutions. Aucun opposant, à l'époque, ne s'y est opposé. Tout s'est fait de cette manière-là. Attendez, M. Benoît Lama, je vous relance. C'est vraiment important. Si vous dites que c'était l'imposition pour qu'on ait la paix, qui nous ont amenés dans ces désordres-là pour que ces étrangers nous imposent cela? Est-ce que ce n'est pas l'AFDEL, ce n'est pas le régime Kabila? Parce que sous Mobutu, tout était calme. Donc vous nous amenez les désordres, si je peux le dire comme ça, et on vous impose le partage et vous imputez ça aux Congolais? Non, et je n'ai pas imputé aux Congolais. Et je ne l'ai même pas dit. Je n'ai pas dit que c'est les Congolais qui ont la responsabilité. J'ai démontré. D'abord, s'il faut que nous revenions sur la guerre, c'est une vraie anglo-saxonne. Okay. C'est les démocrates américains. Je crois que vous avez suivi un élément de M. Moumengi dans le témoignage où il vous parlait du conflit entre les Américains et Mouzé. Nous avons ici M. Bill Richardson qui est venu ici à Kinshasa voir Mouzé Boumbashi. Nous avons eu Mme Albright. Nous avons eu d'autres émissaires américains qui sont arrivés ici. Et même l'ancien basketteur, les lancers, était ici à Kinshasa chez nous. Et donc, ce sont les entreprises anglaises, suédoises, canadiennes, américaines, même certains français sont là. Je cite ces pays, ont toutes les responsabilités. Et ma première référence, c'est le livre qu'on appelle Noir Canada, qui a été publié par un collectif des Canadiens qui soutiennent les Africains qui ne veulent pas de l'occupation de l'Afrique, hormis ce que le pape a ajouté récemment lors de son passage à Kinshasa. Et dans tous ces livres, j'ai cité Ounana aussi, dans tous ces livres, lorsque vous les lisez, on vous donne avec détail. Que Kabila soit là, que Kabila ne soit pas là, le plan des Américains était de faire partie Mobutu, quelle que soit la personne qu'on aurait. Okay. Et ils ont eu à utiliser l'ancien président donc tanzanien. Et vous connaissez son nom, il était même ici arrivé à Kinshasa, pour dire chercher quelqu'un qui peut-être n'acceptait pas le Congolais. On a cherché, on n'a pas trouvé quelqu'un. Et on a dit, écoutez, mais il y a un Kabila, un rebelle qui n'a pas participé à la conférence nationale souveraine. Ce monsieur est accepté par l'opinion nationale zaïroise. Si lui peut continuer sa rébellion, nous allons apporter de l'aide. Et dans toutes les guerres, même en Ukraine, même un peu partout, ce sont des coalitions qu'il faut la guerre. Okay. Il n'y a plus un pays qui peut aller faire seul la guerre. Okay. Et le Congo s'est retrouvé dans cette situation. Mm. Et c'est comme ça que Mouzé est arrivé à Kinshasa. Voilà, il y a un conteneur des Ougandais, des Burundais. Mais est-ce que cela n'est pas un problème de débat? S'il vous plaît. Cela n'est pas un problème de débat. S'il vous plaît. Ce sont des faits qui sont documentés. Contrairement aux autres qui racontent des histoires, j'ai donné des références. S'ils en ont besoin, même en copie, je le ferai et je donnerai à l'opinion la chance de découvrir s'ils sont sincères par rapport à ce qu'ils disent. Et lorsqu'on revient sur la Constitution, okay. Vous savez que l'actuel Premier ministre a été à la Gécamine, Sama Lukonde. Et dans le rapport de la Gécamine, il est cité comme parmi ceux qui seraient des détourneurs d'argent. Sama Lukonde. Un détourneur. L'actuel, oui, il est cité. Comme celui qui serait parmi... Dans un des rapports. Et dans un des rapports. Ok, ça reste à vérifier. On va vérifier, je vais vous donner ça. Ok. Et on n'en parlait pas, mais tous ceux qui ont été avec Kabila hier, ils sont où? Mais ce sont eux qui ont réussi à bras ouverts. Tous ceux qui volent tous les jours, on nous a appris le vol des millions de dollars. Covid est 360 millions de dollars. 360 millions de dollars. Donnez-moi la photo. Avec une histoire de Bako et de l'ancien Eteni Longoni. L'ancien ministre. Kabunde Tamakala
était libre. C'est le rapport des Nations Unies, ce n'est pas moi. Encore le rapport des Nations Unies sur l'enseignement primaire et secondaire, qui est le fait de la constitution. La gratuité, c'est le fait de la constitution qui avait commencé à l'Équateur. Ça n'a pas commencé à Kinshasa. Okay. Et le financement a eu lieu, on a financé sur le plan international, sur le rapport des Nations Unies, qui atteste que l'État congolais a détourné encore plus de 20 millions de dollars du financement de l'enseignement primaire et secondaire. Quand vous parlez des millions là, vous avez juste... Ça fait du bien de citer ces montants ou c'est la réalité? Parce que les peuples, juste de se former, vous parlez de millions, c'est comme si c'est rien. Sur le rapport, l'OMS se vous dit que nous avons décaissé, il y a des rapports, 360 millions de dollars qu'on a donné. L'ancien ambassadeur, qui était presque le conseil politique de M. Chilombo, M. Mike Hamel, Zita, non, c'était l'ambassadeur américain. Ils ont donné... Non, je n'entre pas dans ce débat, okay. Mais l'opinion connaît très bien ce que je voulais dire. Lui vous dit qu'ils ont donné 16 millions de dollars. Citez-moi un seul endroit, ils ont traité des cas de Covid. Okay. L'argent est parti dans des poches. C'est des documents. Je ne parle pas des choses au hasard. Lorsque vous partez au niveau du ministère de l'économie, où aujourd'hui M. Kamere se trouve comme vice-premier ministre. Citez deux minutes. Il y a eu des rétro-commissions de 15 millions de dollars et de 13 millions de dollars avec Arkan Shakite. La dernière personne de l'UDPS a occupé ce ministère. Akasia Bandoubola, l'ancienne ministre de l'économie. Elle a déjà une fondation là-bas. Et tous ces gens-là, ce n'est pas quelque chose qui est passé inaperçu. Ce sont des choses qui sont déjà documentées. Si vous ne le savez pas. Mais c'est très facile de dire, on a fait ceci, on a fait cela. Moi, j'ai donné les indices. Il y a la différence entre indice économique et indicateur économique. Okay. C'est deux théories totalement différentes. Puisque lorsque vous entrez dans les indices économiques, vous allez tomber dans la statistique ou le statistique. Mais lorsqu'on parle des indicateurs économiques, on parle des cadres macroéconomiques. C'est-à-dire qu'on parle de la gestion de l'État sur le plan finance, sur le plan recette, sur le plan tout ce qui peut concourir au fonctionnement de l'État. Et les indices ne sont pas les indicateurs économiques. Il faut faire attention. Alors, je vous ajoute 30 secondes. On dit ici, malgré tout ce que vous venez de dire, mais la réalité est que nous avons un budget de près de 16 milliards. Quitter de 4 000 à 16 000, quand même, tu sais qu'il y a milliards, tu sais qu'il y a quelqu'un à féliciter. Oui, nous le félicitons puisque au moins le mensonge est né, le mensonge a grandi et l'opinion constate amplement que la gouvernance actuelle est essentiellement centrée sur deux choses. Okay. Le passé et le mensonge. Le passé, sans citer Kabila, le gouvernement actuel n'existerait pas. Et le mensonge, le budget qui était de 16 milliards, vous avez entendu, mais des recommandations qui seraient venues de l'extérieur, qu'on puisse trouver une loi rectificative sur le finance et sur le budget de l'État. Mais le budget qui est déjà à 16 milliards, au moment où nous parlons, il y a des gens qui ont fait 3 mois sans salaire. 3 mois. Sous le régime de les gens qui sont au ministère du secrétariat de la santé, ils ne sont pas payés. Sont pas payés. D'autres sont payés le mois de janvier, février. D'autres font des tours ici à côté de la régie des eaux pour chercher le salaire. J'ai cité un monsieur qui est tombé, qui a connu un cas d'AVC. Peut-être qu'il y aurait d'autres cas plus nombreux que ceux que je connais. Et donc, ce sont des choses qui sont connues. Merci. Alors, mais ils ne vous disaient pas sur le voyage du chef de l'État. Ils ne vous disaient pas sur la diplomatie. Pas de problème. Bon, je leur laisse le nous reste. Nous avons pas la peine que je puisse parler. Et merci. L'opinion de leur juger. Alors, puisqu'ils défendent les ventes. J'aimerais que Maître Joël Kitenge soit franc avec la population. On nous suit partout dans le monde. Le régime Tshisekedi peut faire 5 ans, 10 ans. Selon la Constitution, il y aura un autre président qui peut venir. Peut-être ça serait moi ou vous. Qu'avez-vous fait face à tout ce que Yolama vient de dire? Moi, à votre place, je pouvais laisser le plateau, quitter et partir. C'est terrible, ça. Bon, écoutez, je sais que l'opinion notera... Monsieur Benoît, qui a commencé l'affaire de Rwandais, n'a pas pu développer pour démontrer combien celui-ci serait congolais. Il a fait un saut dans l'histoire pour vous éclairer. S'il vous plaît, vous l'avez laissé parler. Je voudrais me laisser aisément. Je vous laisse dès lors que j'ai moins de minutes, ne m'interrompez pas. Vous avez il va faire référence à Charles Okoto,
qui détiendrait l'acte de naissance de M. Kabila. Mais c'est ça l'audace et la folie même au Congo. Témoin de l'histoire. Témoin de l'histoire, t'étais en Mbujimayi. Celui-ci dit être né si ça est Wabora. Chalokoto qui serait né chez lui à Lodja. Quel est le lien? Il a vu Kabila quand ils sont venus ici ou il les connaissait quand il est né son histoire. À quel âge Chalokoto a connu Mouzé ou a connu Kabila? Il l'avait transporté, il lui avait fait goûter le biberon. Il est plus âgé que vous, c'est à lui plutôt de vous relater l'histoire. Il n'a vous semblez être moins âgé. Écoute, il n'a pas à me relater l'histoire puisque moi je suis né au moins à Bukavu pendant que lui est né à Lodja. Ce n'est pas la même chose. J'ai été Kadogo, je suis arrivé avec Mouzé pour que lui vienne rejoindre Mouzé pour travailler avec Mouzé. Okay. C'est la différence. Et je ne suis pas illettré ni idiot. Quelle histoire il va me raconter? Puisque quand lui vient, il me trouve moi déjà militaire. Et je suis entré au mois d'octobre 96 à Bukavu. Donc, faut pas aller faire ce raccourci comme s'il était chef, je ne sais pas, de l'état civil pour délivrer les actes de naissance, jouer avec les Congolais alors que les Congolais connaissent la vérité. Okay. Il me ramène sur des livres, des ouvrages ou le reste. Dans ma profession en tant qu'avocat, je lis. Okay. Et je n'ai pas vu un seul ouvrage cité par M. Benoît Lyolama que je ne l'ai pas encore feuilleté. Même celui de Charles Onana, je l'ai et je profite, ce n'est pas pour payer la PIB. Nous co-organisons une conférence du 23 au 30 juin avec Charles Onana à Kinshasa. Ça serait mieux. Ici, je l'ouvrage. Et j'ai écrit aussi. Donc, quand il faut parler de débats ou de documenter ou de documenter, si vous allez me dire passer, c'est qu'on rentre maintenant dans les rapports documentés. Ok. De ce qu'est Benoît Kabila et consorts. Ça sera scandalé. Il n'a pas pu raconter. Non, mais c'est cela le débat. Oui. Des leçons, on n'en a pas à recevoir du préposé de M. Kabila. Il n'a pas douté le 16 milliards. Il parle du mensonge, ça a démontré à quoi est le mensonge. Et il n'a pas démontré ce qui gérait bien le finance. Pourquoi arriverait-il à avoir un budget de 4 milliards et demi? Vous avez un premier ministre qui semble être détourneur. Il a dit ici, donc c'est le résultat des hommes qui mentent à la République en écoutant M. Il dit que le premier ministre semble être détourneur. Je ne connais aucun rapport de la Gécamine faisant de Samalouko le cité comme détourneur. Alors qu'il n'a fait que à peu près moins de 12 mois. Puisque Mme Moumba à l'époque, ministre du portefeuille, vous vous souviendrez, avait refusé de notifier cette ordonnance. Ça a pris plus d'une année d'attente pour qu'il aille diriger la Gécamine, tout comme celui de l'UDG de la SNCC à l'époque, Kyungu et autres. Et à quand cette notification a eu lieu, quelques temps après la consultation, ensuite il a quitté la Gécamine, mais je ne trouve aucun rapport. C'est d'après Benoît. Je ne rentre pas dans ce genre de détails. Je vais aller dans le mot pratique. Il me semble que M. Benoît et M. Kabila, qui est devenu civil, s'il faut le noter, étaient militaires. Quel a été le salaire, le net à payer d'un capitaine pendant la gestion de M. Kabila? 125 000 francs congolais. J'insiste, je regarde la caméra, 125 000 francs congolais, c'est documenté, c'est chiffré. L'enseignant congolais touchait 65 000 francs pour le NI et 90 000 francs pour ceux qui étaient déjà matriculés, qui avaient beaucoup de temps dans l'enseignement. Je dis bien 90 à 65 000 francs. Le capitaine, ça, 25 000 francs. C'est documenté. Aujourd'hui, l'adjudant a 463 000 francs. 400 63 000 francs. S'il faut calculer en termes de pourcentage, ça a doublé, ça a triplé. Ou combien? Il y a le pouvoir d'achat aussi. Le pouvoir... Oui, c'est ça, le pouvoir. Allons d'abord dans le net. C'est ça que je dis. Celui qui gagnait 60 000 francs, le pouvoir d'achat était combien? Puisqu'il faut aller dans la gestion de chaque année. Qu'est coûté la bouteille d'à 60 000 francs? Vous avez combien d'enfants? Là, il n'y avait pas la gratuité. Vous les envoyez où? Vous payez quelle école? Quel taxi?
vous laissez quelle provision dans votre maison? Puisque vous parlez du pouvoir d'achat. À 90 000 francs, vous faites quel projet? Ça, c'est du réel. Et l'enseignant est parti de 90 000 francs à 517 000 francs. Je suis devant la caméra. La gratuité a permis à 5 millions d'enfants qui étaient défavorisés, non scolarisés, de retrouver le chemin de l'école. Sans école. J'ai dit... Sans des salles appropriées pour non, que mais les vous enfants voulez des chiffres, la vous voulez des chiffres qu'il parle documentés, je peux vous amener au nombre d'écoles construites pendant 4 ans. Seulement. 4 ans, sous Tshisekedi. Je ne parle pas des écoles réfectionnées. Ok. Le nombre d'écoles reconstruites. Là, vous devenez sérieux. Des structures sanitaires reconstruites. Mm. Je vais commencer, je suis encore dans le militaire. Okay. Vous allez vous regarder la structure sanitaire de Kanchatch. Les hôpitaux militaires, là où on soigne presque le président du monde, c'est dans les structures sanitaires militaires qu'ils se font soigner, en France et partout ailleurs. Et regardez ce qu'est devenue cette structure sanitaire. C'est qu'elle a amélioré. Avec tous les standards internationalement respectés et reconnus. On vous suit là-bas, ils peuvent témoigner. Je le dis. C'est tout le monde. Il peut aller, c'est ouvert au public. Il y a un numéro aussi, c'est vrai. C'est ouvert au public. Ok. Il faut aller voir le bureau du directeur de l'école primaire de Kanchatch. Le bureau, il n'a rien envié dans son cabinet, le directeur d'école primaire, comme autant par exemple le cabinet d'un ministre. Le lix, les conforts et les salles de classe que les enfants de militaires au Kanchatch vont. Vous êtes à Mamayemo. Ce n'est pas des bâtiments qui sont réfectionnés, des nouveaux bâtiments en construction et de plusieurs étages. Faisant ainsi, une fois terminé, Mamayemo sera, n'est-ce pas, une référence en Afrique centrale. Mamayemo, qui a un artiste qui avait chanté... Qui avait chanté Karmapa. Karmapa. Okay, exactement. Okay. Et exactement. Okay. Et si vous regardez, pendant ces années de leur gestion, un nouveau hôpital, je dis bien un nouveau hôpital, construit au nom et pour les comptes de l'État, dans le territoire congolais. C'est dans quel territoire, dans quel district, dans quelle province? Après, on va vous présenter les hôpitaux qu'on a donnés à un Indien qui giflerait même un ministre de la Santé en public et devant la caméra. C'est vrai ça ou c'était les histoires des réseaux sociaux? Mais Félix Kabang Lumba, on sait, il faut demander à sa gifle, celui qui en a reçu la gifle. Cinquantenaire, si? Bien sûr. Ok. Et il n'est pas mort, il est au député aujourd'hui. Il n'est pas mort, je parle de Kabang. Ok. Le docteur. Et ce médecin, ce monsieur-là, cet entrepreneur indien qui avait sa résidence juste ici à côté du Palais de la Nation, a pu confisquer le téléphone d'un médecin congolais. Mm. Et il s'est retrouvé pendant 2 semaines à Makala. Il y a changement de paradigme où il y a encore ce que nous avons constaté. Mais c'est cet hôpital que Kabila vous a laissé parce que j'avais vu... Ce n'est pas... Non. Lors de Covid-19, tout le monde allait là-bas. Si Kabila et Matata n'avaient pas pensé à construire cet hôpital, on allait... Je vous répète, j'insiste en tant qu'avocat. Nous avons eu accès. Je travaille dans un cabinet sérieux ici. Ok. Cet hôpital... Le Messie n'a pas seulement giflé le ministre, il a dit j'ai déboursé de mon argent 300 millions de dollars de mon investissement pour cette histoire. Et je n'ai à recevoir les ordres de personne. C'est Molière qui filmait. C'était dans une chaîne populaire à l'époque et tout le monde l'a suivi. C'est un bien appartenant à l'Inde pour une exploitation de 30 ans. Cinquantenaire. 30 ans. L'émission est interdite aux cardiaques. De 30 ans. Il vous reste 1 minute. Alors, s'il faut parler, ne pas parler de la gratuité. Pendant 4 ans, Félix Tshisekedi a réussi à recruter plus ou moins 27 000 têtes de troupes, je vais dire les hommes, au sein des FARDC. Oui, il renforce l'armée. C'est la réforme de l'armée. Mais c'est aussi 27 000 chômeurs qui viennent de trouver un franc dans la vie. 27 000. C'est pas peu, hein. C'est ce que je dis.
le test 5000 magistrats. Non, les magistrats que j'ai vu en train de plaire ici, bien sûr, vous les avez appelés ici non. sans les prendre en charge. Et même, c'est avec Mikofa ici qui m'a dit, l'un doit décéder. Mais il peut mourir, il peut mourir. Il peut mourir. Les procédures. Un régime de kamikaze qui est en train de détenter les excellents Mikofa. Les magistrats est pris en charge par les trésors publics qu'après l'ordonnancement. Mais pourquoi le convoquer ici? Ah ben... Chaque procédure, il faut rentrer dans la procédure pour devenir magistrat. Mais sans moyen, ainsi de suite. Non. C'est un gouvernement. C'est un gouvernement qui n'est pas préventif. Pendant que vous êtes venu, vous êtes intéressé par la chaîne qui voulait bien de tes prestations. Et pendant le moment où vous devriez normalement presser pour la chaîne et la chaîne te prend en charge, vous l'avez déjà vu dans un contrat de travail où? Il ne faut pas l'expliquer l'inexplicable. Tout le monde met un sommaire, tu te trouves un boulot. Mais organise-toi. Et à ce niveau-là, l'État va empêcher que la mort, si la mort arrivait. Tranquille de l'État qui empêche la mort. 30 secondes, chute. Et à ce titre, si vous ne parlez pas seulement que de magistrats, le recrutement qui ont eu lié au niveau de l'administration publique par les différentes réformes entreprises par l'IAO. Combien de jeunes ont trouvé le chemin de travail? La fonction publique. Bien sûr. L'homme travaille, il travaille. Mais il semble qu'il y a certains dossiers, il a engagé les Congolais se souviendront qu'ils achetaient un passeport à plus de 300-250 $. Et cet argent, ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous n'étions même pas au pouvoir, entrer dans le compte privé de M. Zoé. Vous dites dans le compte privé de M. Zoé avec la société Semelex. C'est avec Félix Tshisekedi que les passeports sont revenus en Onan. Attendez. Je vous ajoute encore une minute. Attendez. Il ne faut pas citer les noms des autorités comme ça. Autorité, c'est qui? Vous l'avez déjà vu prendre parole même au Parlement pour parler même un mot. S'il vous plaît. C'est du néant des élites, celui-là. S'il vous plaît. C'est un ancien gouverneur. National, honorable. Je me souviens son interview avec Jean-Marie Kassamba, où il a dit qu'il est entré dans la famille de Mouzé en 97. Ils sont devenus des familles de Mouzé. Il était où avant de devenir? En tout cas, les Rwandais ont joué de nous dans ces pays, M. Zoé. C'est un sujet rwandais, celui-là encore. Attendez, rendez cette émission élégante. Il ne faut pas citer les noms des autorités seulement comme ça. Attendez, vous dites que l'argent que les Congolais payent de GoPass et autres... Non, je suis au passeport. Je n'ai pas parlé d'abord de GoPass. Cet argent allait dans les poches de Zoé. Exact, et je précise... Lui qui est Congolais, le père et je précise, puisque dans un cabinet où je travaille, on est spécialiste des passations de marché et des contrats. Il fallait renégocier, puisqu'il y a même rupture d'obtention de passeport pendant cette période. Ça nous a pris une durée. Et entre-temps, le contrat avec Semelex a été à terme. C'est à ce niveau que nous avons découvert des vérités que j'ai dit. Ça, c'est documenté. Okay. Et l'État congolais, dans les 200 quelques dollars, ne gagnait que 45 $ pour le passeport. Et les restes? C'est ce qui entre. Les restes dans le compte de M. Zoé. Il y a la traçabilité. Toute la traçabilité existe. Et aujourd'hui, les passeports congolais, chacun peut l'obtenir à 9 $. Parlons encore de billets d'avion. Merci. À combien d'argent on peut l'obtenir? Alors, vous cherchez le peuple à communier et continuer à croire encore à Félix Tshisekedi. Et ils regrettent d'avoir perdu leur temps, n'est-ce pas, avec un régime 100% rwandais de 18 ans. Merci. Je me répète. Cette émission est interdite au cardiaque. L'émission s'appelle Duel. Il y a l'opposition, il y a le pouvoir. Maître Gédéon, collé là. On est presque à la fin, mais je vous donne le temps. Maître Joël Kitenge a dit des choses que le régime a eu à faire. Mais avec vous, j'aimerais que vous puissiez parler de l'impact de ces réalisations dans la vie quotidienne de la population. Peut-être les autres peuvent penser que c'est cosmétique, ce qu'il a dit. Est-ce qu'il y a de l'impact de cela? Bien entendu, mais laisse-moi un peu rebondir sur quelques incohérences que j'ai trouvées dans l'histoire que M. Yolama a voulu nous raconter ici. Il parle de Charles Onana, mais c'est lui, je l'ai suivi même hier, Charles Onana, qui parle des origines rwandaises de M. Kabila. Et qui dit même que ce sont les Américains. Et effectivement, il a parlé des Anglais qui ont eu à planter les décors de balkanisation pour les Congos en créant Kagame, Museveni et puis Kabila.
dès que Kabila tout autour de tout au long de son règne en tant que président de la République du Congo, qu'il a voulu gérer par les accords. Et c'est ces accords-là qui pouvaient nous faire basculer à la balkanisation pour qu'il y ait l'autodétermination, parce que la zone tampon était déjà décor pour qu'il y ait l'autodétermination, parce qu'il fallait vider les trop-pleins. Vous voyez ? Donc ça, c'est Charles Onana dont il parle, et je vais lui donner le récit tout à l'heure, quand, après le... Et puis, pour corroborer à cela, il vous souviendrait, et cette fois-là, c'est Madame Jeannette Kabila qui dit du haut... Honorable Jeannette qui Kabila. Dit du haut tribune de Palais du Peuple qu'ils ont été fomentés en Tanzanie, dans les services nationaux de la Tanzanie. Vous savez, est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a que quelqu'un de... Il n'y a qu'un autochtone qui peut aller dans une formation nationale. Et ils ont été formés dans une... dans un service national de Tanzanie. Lorsque quelqu'un est formé, est-ce qu'il est congolais? Service national. Service national de la Tanzanie. Un Congolais être formé, être... C'est comme notre service national, non? Mais on prend un étranger, on l'embarque dans cette formation-là. Parce qu'il a, elle défendait qu'il faudra qu'il ait une formation militaire avant que quelqu'un puisse entamer ce cycle universitaire, doit passer par là. Il dit, elle est lui-même le cas d'école, elle-même le cas d'école, avec son frère, qui sont passés par cette formation avant d'amorcer les études universitaires. Je me demandais, quand ils sont venus, ils avaient quel niveau, ils avaient quel âge. Donc, par rapport aux études universitaires, pendant que nous, on a souffert ici. Et l'opinion va constater effectivement que, contrairement à ce que le gouvernement a voulu faire, sa conscience est prise en otage. Sa conscience est prise en otage. Parce que j'ai constaté qu'il réfléchit par procuration. Les réfléchir par procuration. Ce n'est pas du fait de citer les livres que vous avez lus. Il faut aussi dire la vérité. Parce que c'est les mensonges. Mais c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait de c'est un homme sérieux. Le mensonge d'abord a commencé par Mouzé. Je vous ai toujours dit que Mouzé a trompé tout le monde, y compris lui-même. C'est pour ça que nous sommes dans des conditions où Tshisekedi aujourd'hui est en train de se battre pour faire sortir les pays sous l'emprise des randophones, comme on vous a dit ici. C'est tous les secteurs. Maintenant, il parle. D'abord, parlons de pouvoir d'achat. C'est quoi le pouvoir d'achat? 2 minutes. Le pouvoir d'achat répond à la quantité et services de salaires ou des revenus d'un individu. Ici, on vous a montré que d'abord, le dollar, il faut considérer que c'est une mesure monétaire sur le plan, sur l'échelle internationale. Ça subit les chocs exogènes. Et qu'aujourd'hui, quand vous parlez en termes de prix, donc les bidons d'huile de 5 litres qui coûtaient à l'époque à 15 euros, aujourd'hui c'est à 35 euros sur le plan international. Cela n'est pas une cause d'exonération, de responsabilité, de fait de notre gouvernement de pouvoir travailler. Et je vais vous montrer que lorsque on vous parle de 160 taux de 160 et que quelqu'un avait 60 000 francs et qu'aujourd'hui le même enseignant il a 500 000 francs, est-ce qu'il a perdu le taux de le pouvoir d'achat? Il n'a pas perdu le pouvoir d'achat, par contre donc il a encore augmenté le pouvoir d'achat, même si le pain qui coûtait 200 et qu'aujourd'hui ce pain coûte 500 parce qu'il avait 60 000 francs et que le taux aujourd'hui c'est 23 et qu'aujourd'hui il a 500 000 francs. Est-ce que vous comprenez? Soit plus de 200 dollars. Plus de 200 dollars. Alors que 60 000, c'était 30 dollars. Vous comprenez le pouvoir d'achat, comment on le calcule? Parce que quand vous parlez de pouvoir d'achat, donc c'est comme si donc, le pouvoir d'achat n'est pas calculable. Nous le calculons donc, sur la base des revenus. Mais regardez, Tshisekedi a trouvé 41 000 écoles mécanisées. Aujourd'hui, nous sommes à 60 150 écoles mécanisées. Vous voyez, donc c'est énorme. Et quand Tshisekedi a pris le pouvoir, dans ce pays, on parlait de non-payés. Est-ce que vous entendez encore aujourd'hui, on vous parle des enseignants non-payés?
Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des avancées novatrices qui n'ont jamais été. Et qu'il y a 700 écoles qui sont construites. Est-ce que vous entendez encore le problème des capacités d'accueil? Allez juste à Lumumba ici, vous allez trouver qu'il y a des bâtiments où c'est la première fois que vous trouvez les enfants donc, étudier avec les conditionnements d'air, avec les bâtiments climatisés. Allez, Antélé, P1, P2, P3, donc ces bâtiments-là, c'est avec Tshisekedi. Il y a au moins 700 écoles, si vous voulez qu'on vous le cite ici. Allez, sur la couverture Santé. On vous a dit, c'est une honte. Je comprends que Yolam est né avant la honte. Comment? Oui, Yolam est né avant la honte. Tu sais qu'elle a trouvé les enfants des militaires. Et alors qu'on me dit que Kabila a été militaire. Et je ne crois pas qu'il vraiment il a été militaire. Les enfants des militaires étudiaient par terre. Mais aujourd'hui, quand vous allez trouver une école extra-moderne. Là, vous vous parlez de l'hôpital. Vous vous répétez, mais j'aimerais quand même. Non, j'aimerais quand même être direct avec vous. Je vous relance. J'aimerais quand même être direct avec vous, maître Gédéon. Le président de la République, ce n'est pas un député. Le président de la République, c'est pour toute la nation. C'est à vous de dire. Vous êtes en train de citer de réalisation de Kinshasa. Le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Ok, vous parlez. Est-ce que dans le fin fond de Kinshasa, Angoro, il y a encore ces réalisations? Attendez, Angoro, chez Mouzé, okay. Il y avait une école qui était dans le paille, dans le hit. Aujourd'hui, il y a une école moderne. Donc, vous voulez que je reviens de Manon Oyamou. Ouais. Donc, vous voulez que je... Si vous voulez qu'on puisse mettre ça. Angoro. Et aller à Kabeya Kamuanga. Okay. Vous avez vu les enfants qui étudiaient sous les pailles. Mais aujourd'hui, il y a donc des écoles extra-modernes. Sous Tshisekedi. Mais avec qui? Ce n'est pas le Photoshop. Et avec qui? Mais je me rappelle Kabila, il y avait la révolution. Regardez, vous rappelez de ça? Révolution de la liberté, et 5 chantiers, c'est avec Kabila. Parlons de Didier. C'était niveau, il y avait... Attendez, Delphin. Delphin, c'est une honte. C'est une honte pour une élite, pour l'élite congolaise. Lorsque Benoît Yolama vous parle des budgets de 16 milliards, que non, c'est du mensonge. Mais c'est une honte. C'est une honte pour lui. Pourquoi? Vous savez, avant qu'on accepte les budgets. Vous savez, l'inspecteur international de FMI, c'est le FMI et la Banque mondiale. Et lorsque vous voyez la Banque mondiale accepte d'être en programme avec les finances publiques, c'est-à-dire qu'il y a l'orthodoxie financière. Regardez, c'est avec Tshisekedi aujourd'hui qu'on connaît qu'il y a l'UGF. Il y a un enfant de Mfumutoto qui s'appelle que je suis l'IGF de cette maison. C'est-à-dire, alors que l'IGF a été créé depuis 1983, mais c'est aujourd'hui qu'on parle de l'IGF. L'IGF est appelé. Et regardez aujourd'hui les recettes. Mm-hmm. Parce que lui parle de la maîtrise et l'assainissement des cadres macroéconomiques, c'est le préalable majeur pour une croissance. Et ce qui a permis aujourd'hui qu'on ait le pôle de croissance, dont ça permet quoi? Donc le développement intégral avec le programme de 145. Merci. Et aujourd'hui, le développement à la base, donc vient avec Tshisekedi. Il y a des provinces qui n'avaient même pas de maisons communales. Et aujourd'hui, vous voyez, donc il y a les travaux qui sont en train de se faire. Merci, maître Gédéon Kolela. Merci. Est-ce qu'on peut parler des infrastructures? Je vais revenir vers vous. Parce qu'on me fait signer à la fin. Merci, monsieur Tati. Parce qu'ici, nous voyons, il y a monsieur Kisula qui est là. Il est en train de faire un bon boulot. Il y a M. Thierry Mboulamoko qui lutte contre le blanchiment d'argent. Voilà. Il y a M. Thierry Mboulamoko qui est le coordonnateur de l'APLC, Agence de prévention de lutte contre la corruption. Une agence créée par le chef de l'État. L'homme qui est en train de faire un très bon boulot, il fait cela pour l'intérêt de la nation et de la République. Nous devons communiquer. Il y a également M. Julien Léguet qui est en train de travailler pour la nation. Ces trois messieurs, pour nous, pour moi, j'estime que c'est le flic de la nation. Si le public, la nation, les accompagne, le Congo deviendra certainement Monsieur Delphine, de l'Afrique. Pour citer, regardez, j'allais accepter M. Bélan.
si néanmoins il pouvait accepter la repentance. Regardez ce que Kabila nous a fait. 30 secondes. Lorsque vous quittez Bethel, l'église Bethel, jusque le boulevard Triomphal, on vous dit dans les contrats chinois qu'il y a 29 millions de dollars qui ont été dit. 29 millions de dollars. Calmez-vous. Alors que ce n'est même pas un kilomètre. Calmez-vous. Vous voyez, un kilomètre coûte combien ? 1 million de dollars. Calmez-vous. Donc calmez-vous. Vous pensez vraiment que ce régime ici de mensonges. Calmez-vous, on a la fin. Dont tu on a la fin. Défendre sur, s'il vous plaît, sur ce plateau. Calmez-vous, on a la fin. Vous m'avez bombardé de millions, millions ici. Je risque qu'à la maison qu'on puisse mais mettre. Non, mais millions là, c'est connu. S'il vous plaît. Même, c'était. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître Chédéon. Je ne veux pas que. À la maison. Quand vous parlez de 29 millions, régime Kabila, régime Tshisekedi, c'est des trop. Il ne faut pas prendre la population comme vos moutons de panuche. Il faut que ces millions. Mais cette population ne connaissait pas ça. Alors, monsieur Benoît Lama, je vous donne le mot de la fin. De connaître. S'il vous plaît. Monsieur Benoît Lama, je vous donne le mot de la fin. Quoi retenir de cette émission et l'opinion peut comprendre quoi? Parce que là, nous voulons que les choses changent. Bon, vous me permettrez que je puisse ramasser quelques éléments qui ont été avancés par mes deux contradicteurs de l'Union sucrée. Sacrée. Union sucrée, ils ne sont que pour les ventres, ce n'est pas pour la nation. Ils ne vous disent même pas qu'il n'y a pas longtemps au stade, avec l'arrivée du pape le Saint-Père, François, c'est la population qui avait chanté « Tu sais que dit Belaka Mandesili ». Personne n'a été là pour mobiliser. Ça démontre très amplement qu'il n'y a pas la communion entre le chef de l'État et la population. Là aussi, on va dire qu'ils ont été, ils ont écrit, ils ont lu, ils ont essayé, ils vont faire encore une conférence de débat. Et sans honte, on dit que Kabila n'a jamais construit d'hôpitaux. Okay. L'hôpital de ces containers n'est pas qu'à Kinshasa. Ça se trouvait dans trois provinces. Trois provinces. À Kisangani, à Lubumbashi et dans la province, ville-province de Kinshasa. Allez vers Fille. Lorsque vous partez vers Ndjili, il y a l'hôpital sino-congolais qui existe. On va dire que cet hôpital avait existé depuis le Zaï, mais que ceux qui connaissent l'histoire aillent vérifier si cet hôpital n'est pas construit sous Kabila. Ok. Il est là. Et donc, le racontat de M. Joël, je crois qu'il n'a qu'à réserver une certaine classe, puisque ce n'est pas nous qui dirons cela, puisque nous connaissons l'histoire et ce que nous avions fait. Il y a les livres que celui qui est avec lui aujourd'hui a eu à coordonner sur les œuvres du président Kabila. J'ai avec mon livre en main, M. Mendo Malanga. Ok. Et lorsqu'il cite, je ne sais pas s'il fait de mauvaise foi, l'hôpital Mamayimo. J'ai la fois dernière cité M. Israël Mutombo, le DG de la télé sur la télévision, lors d'une émission que nous étions avec lui, j'étais invité. Il a amené les images de Mamayimo avec des endroits qui suintaient. Or, le financement de Mamayimo, c'est un financement qui est parti du programme de 100 jours du chef de l'État. Okay. Il y a eu un financement de 36 millions de dollars. 36 millions. Et M. Sissé Mutombo à la caméra, les documents de 100 jours sont là, le procès a été suivi. Et vous avez entendu les chiffres. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est notre financement, c'est-à-dire parti disparu jusqu'aujourd'hui. La francophonie, ici à Kinshasa, vous avez encore l'affiche qui est sur le boulevard, donc Sindoué, où on a proposé de construire 7 immeubles de 7 niveaux. On n'a jamais construit, on n'a plus jamais construit ces immeubles. On va prendre les hommes des étudiants pour les réfectionner, pour permettre aux athlètes de venir habiter. Entre ce travail qui avait commencé avec M. Thomas Louka comme ministre de l'enseignement supérieur et université. Et ces hommes, l'argent qui était investi pour la construction de cet immeuble, déjà parti en fumée. Personne n'a été arrêté. On a changé de comité et les jeunes gens qui travaillent pour les histoires de la francophonie, on leur donne 4 000 francs congolais pour manger. 4 000 4 000 francs congolais. Je ne voudrais pas citer des noms puisqu'ils vont aller faire des représailles sur ces enfants-là. Et lorsqu'ils disaient que les écoles, vous savez, lorsqu'on construit, on peut ne pas construire aujourd'hui. Les travaux se terminent demain. Au niveau des Benzales, il y a une école qui est dirigée par le religieuse de la congrégation Saint-Luc.
Je crois qu'il y a la sœur Albertine qui est là. Chute. Il y a un hôpital qui est là avant d'arriver à la nécropole. Il y a un hôpital et centre de santé qui avait été inauguré par André Kumbuta, d'une grande capacité, un centre de santé moderne. Et lorsque vous arrivez là-bas, elle est là, je peux vous l'amener ici pour qu'elle témoigne, parce que j'ai été déjà une fois là-bas. Il y a des écoles en dehors de Kinshasa qui ont commencé depuis l'époque du président Kabila, mais qui n'ont pas été totalement finies au niveau des travaux. Mais il y a eu finissage des travaux, et au moment où nous parlons, c'est à l'avantage du pouvoir actuel. 30 secondes. Mais lorsqu'ils vous disent, bon, le pouvoir d'achat avec tout ce qu'on a donné, et en plus on dit qu'il n'y avait jamais une école moderne et il y a la climatisation, mais maman Olive, elle, je ne promets pas, je ne parle même pas de l'État, au niveau du Congo central, on a eu à construire des écoles à Ngungu, chez le patriarche Gizenga. Il y a eu des écoles, il y a des lignes du courant, Ingade, on a multiplié, il y a Zongode, on a multiplié, il y a plusieurs activités, des travaux qui ont été réalisés. Donc, mais la haine dont disposerait notre monsieur Kitenge, ce n'est pas la vérité, mais c'est la haine. Ça ne concerne pas s'il n'a pas réussi à avoir des données dans la vie et que l'autre aurait de l'argent. Merci. Ça ne m'intéresse pas, c'est leur débat si c'est des chrétiens qu'on sort. Merci. Mais tout, s'il dit qu'il est kivusien et qu'il ne connaît pas l'histoire des Banyarwanda, c'est que ça m'étonnerait. Merci. Que c'est Kabila qui les a amenés. Merci. C'est la plus fausseté donnée de l'histoire qu'il est en train de dire à la population congolaise. Merci. Et je lui conseille, puisqu'il dit qu'il lit plus que l'homme de 5 ans de notre technique, de voir Histoire générale du Congo d'Aïwel, tome 1 et 2. Et ici, il peut lire aussi Pasulundula, qui a écrit Paris sur le Congo. Et dans tous ces livres-là, merci. Dans le cabinet de Maître Loukou, vous pouvez trouver juste ici derrière. Je pense que c'est un lecteur. Tous ces livres-là. Je termine avec vous parce que je dois que l'on n'aura pas le mot de la fin. Non, mais alors, on retient quoi? Vous pouvez retirer ce que vous avez dit parce qu'on était en direct. Si je pouvais résumer les deux sujets, une seconde. Pour les deux sujets, le premier, c'est qu'il faut constater, c'est un constat très amer, que le pouvoir n'est là que pour le mensonge et pour l'histoire. Pour son existence, le pouvoir ne peut recourir qu'au président Kabila, pour justifier son existence. Deuxième chose sur la population, l'université de Mbujimayi, je ne sais pas si elle est construite et combien on y a financé. Le président lui-même a dit qu'elle allait détourner. Donc c'est tous les jours qu'on détourne tout ça. Et lorsqu'on revient sur les 5000 recrues des magistrats, mais par le passé, nous avions recruté 2000. Nous avions créé les régies financières dans toutes les provinces. Merci. Les régies financières dans toutes les provinces. Chaque province a eu au moins engagé plus de 1500 personnes dans la régie financière. Non, en fait, je voulais. On retient quoi par rapport à l'évolution? Non, je veux le faire. Okay. Mais juste un correctif. Je suis de la même province que M. Benoît Louis Alama. Je suis né, je dis. Mais je vous l'avez né. Dit ici. Qui a oui, parlé de vous du Sud qui je vous suis né. Okay. Vous n'avez pas dit que vous êtes du j'ai Sud qui dit, vous non, j'ai dit, je suis né. On peut être né au Sud Kivu sans être du Sud Kivu. Je ah, ne peux pas nier. Naître. Écoute, vous êtes de deux nationalités d'origine au même moment. Merci. Écoute, la Tanzanie et le Rwanda. Là, c'est le pays étranger. Moi, on ne peut pas naître comme nous l'avons vu. Les Jumeaux, là, ils fêtaient même des dates d'anniversaire. Je ne sais pas que la catastrophe. Et la vidéo du professeur, l'ex-ministre de la Défense, Anel Ngoï Mukena. Je suis, il est mort. Hein, je suis d'Issankourou autant que lui, autant que Charles Okoto. Je suis né et grandi là-bas avec toute ma famille. Je ne change pas, je ne peux pas nier mon appartenance. On je suis été là et je m'assume. Je n'ai jamais nié ça devant le monde. Je ne dirai jamais. On retient quoi? Il y aura Lomé, il s'est fait passer pour Katangé alors qu'il est Song. Je ne sais pas, c'est pas moi. 30 secondes. Je suis été là. 30 secondes. La question qu'il faut résumer. Ok. Le peuple croit à Tshisekedi. Photo de Tshisekedi ici. Le peuple. C'est le monde de la fin. Est avec lui. Et ceci a été démontré au stade du martyr, pas plus longtemps, le 29. Avec les 20 000 francs. La rencontre a été tellement au rendez-vous. Avec les 20 000 francs. Tout le monde sait qu'aujourd'hui. On a si aura, le peuple avec 20 nous souhaitons. Tu vois, je l'ai dit même à l'introduction qu'il m'oppose avec mon grand frère. C'est parce que je voulais lui résumer ce que j'ai commencé à dire. Voilà. Pour ne pas dire que je ne suis pas de l'aide. 5 secondes. J'ai commencé à dire ici. Le peuple, monsieur, 5 secondes. Le peuple est avec Félix Tshisekedi. Ok. Alors, s'il faut parler du peuple d'abord, la gratuité, c'est le peuple qui tire profit. Un seul mot que je voulais résumer, les détournements, d'où qu'elles viennent,
Même nous qui défendons le régime, nous ne pouvons jamais applaudir un détourneur puisqu'il est de l'Union sacrée. Merci. Mais l'avantage, c'est que pendant Tshisekedi, des arrestations, des condamnations et des procès, il y a eu. Pas des congés en prison. Non, je vous dis, mais il faudrait qu'il y ait même des congés en prison dans leur gestion. Merci. Même un directeur de cabinet pouvait aller recevoir le paiement des factures de la semaine. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui, maître Gélé. On doit compiler quand même. Ça fait chefs, deux fois. Non, quand, ça fait deux fois sur votre plateau. Quand même. Vous allez me s'il vous plaît, parce merci. Que je ne clôture jamais. Merci, maître Généon Okolela. Merci à vous, fidèles. Mais j'aimerais quand même placer un mot, terminer cette émission. Nous n'avons que ce pays, la République démocratique du Congo. Alors, je pense que ceux qui dirigent doivent avoir l'amour de la RDC. Il y a un ministre, un ancien ministre de la recherche scientifique qui avait dit « Nous sommes des voleurs. » Je me pose la question, vous devenez ministre pour voler les peuples ou vous devenez ministre pour être au service du peuple? Le chef de l'État, Félix, oui, il manifeste la bonne volonté de mieux faire. Est-ce son entourage l'aide? Est-ce ses ministres l'aident? Une autre RDC est possible avec la nouvelle génération. Mais je crois que Félix Tshisekedi peut faire mieux si on lui fait confiance. Restez fidèles à nos programmes, ici sur la chaîne de la Mama Nationale. Cette émission, c'est chaque jour à 11h, rediffusion 22h. J'étais avec M. Bruno Yolama, cadre du PPRD, très proche de Joseph Kabila, l'âme qui est fidèle à l'idéologie. Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour l'invitation. Également de l'autre côté, Maître Gédéon Okolela, que j'aime beaucoup. Il est dans l'icor, il est également éclectique, un homme, un vrai scientifique. Merci pour votre amour à cette émission. Merci. Et de l'autre côté, Maître Joël Kiteng, la révélation terrible, ses propos lui engagent. Et il a dit des choses qui vous a choqué, mais le droit de réponse, c'est une émission du. Si vous voulez, je vais l'appeler si vous avez d'autres vérités. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.